Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous voilà repartis pour une nouvelle semaine de vlog. On est le jeudi 21 mars. J'ai repris le travail ce matin et voilà, je suis pas. Je vous avoue que je serais bien restée encore quelques jours en congé parce que c'est vraiment passé trop trop vite. Et encore une fois, je n'ai pas eu le temps de faire vraiment tout ce que j'avais prévu de faire. Mais bon, ça, c'était un petit peu prévisible. Alors, j'ouvre ce vlog aujourd'hui parce que j'avais un petit colis dans la boîte qui me vient des éditions Erol. Alors, il s'agit de « Comme une lettre à la poste » d'Agnès Marou, qui doit paraître le 28 mars. Voilà, donc je vous le montre, j'adore la couverture. Alors, je vous avoue que quand j'ai reçu le communiqué de presse, j'ai vu cette couverture, j'ai dit mais waouh, c'est trop trop beau, c'est trop trop chouette. Et à l'arrière, il y a même un effet genre trompe-l'œil, on dirait que c'est décollé. Alors, je vais tout de suite vous lire la quatrième de couverture. Elaya est éditrice freelance et bibliographe. Elle reçoit chaque semaine des livres par la poste de la part des maisons d'édition avec laquelle elle collabore. Mais depuis quelque temps, les enveloppes arrivent en retard, froissées, les livres sont cornés et annotés. Intriguée, Elia propose un marché à son mystérieux voleur. S'il lui remet ses livres en temps et en heure, elle s'engage à les reposter dans sa boîte aux lettres après les avoir lus. Débute alors une correspondance par livre interposée où les mots manuscrits rencontrent les mots de papier. Les deux solitaires s'apprivoisent et se dévoilent au fil de leur lecture, jusqu'à ce que Elaya découvre enfin l'identité de son correspondant. Mais la magie opérera-t-elle dans la vraie vie? Voilà. Donc je pense que, voilà, bah pour le coup, il y a pas mal de correspondances à l'intérieur, à mon avis. Voilà, voilà. Il y a plein de... Je vais adorer, je pense. C'est vraiment le genre de livre qui m'inspire totalement. Donc, je vais essayer de le lire assez rapidement. J'ai aussi l'autre des rôles que j'ai reçu la semaine dernière à lire dans les prochaines semaines. Donc ça, c'était pour mes réceptions. Je vous ai dit en fin de vlog, quand j'ai clôturé la dernière fois, que j'étais allée en librairie et j'ai craqué pour plusieurs livres. Alors, j'ai craqué pour celui-ci, sans surprise. Je pense d'ailleurs, je vous avais dit, je vous mettrai l'étiquette dans le vlog précédent, mais je m'excuse. J'avais pas téléchargé l'image au moment où j'ai fait mon montage. J'étais super à la bourre. Voilà. Du coup, je l'ai pas mis. Donc, c'est Un printemps pour te succomber de Morgane Moncombe. Et franchement, il a l'air juste dingue. Donc là, on va... Donc, c'est le tome 3. J'ai les tomes 1 et 2 qui sont là-haut, non vous les voyez pas, mais voilà, j'ai trop hâte. Donc c'est encore une copine bien évidemment du groupe de 4, donc là on va, c'est Nolia, donc c'est un fake dating, et ça j'adore les fake dating, je trouve que ça donne toujours un rythme de fou, donc je pense vraiment vraiment le lire, j'aimerais le lire là tout de suite, semaine prochaine ou là rapidement on va dire. Ensuite j'ai craqué pour la nouvelle saga de Virginia Andrews, de Virginia C. Andrews, parue au réédité au livre de poche. Donc ce sont des. Donc l'année dernière, ils ont réédité la saga Fleur Captive. Je ne sais pas si vous l'aviez vu passer. Et cette année, ils ont réédité celle-ci. Alors celle-ci, je ne sais pas de quelle année elle date. De base, je ne sais pas du tout. Parce que bon là, bien évidemment, c'est une réédition. Donc il faudrait que je me renseigne parce que ça m'intéresse de savoir. Donc voilà, j'ai craqué pour cette nouvelle saga. Alors je vais vous lire la quatrième de couverture du tome 1, donc qui est Ruby. Donc apparemment cette saga-là a aussi 5 tomes, la famille, et c'est la saga de la famille Landry, je crois, il me semble. Ruby est le premier des 5 tomes de la famille Landry, une série de Virginia C. Andrews dont les romans se sont vendus à des millions d'exemplaires à travers le monde. Ruby, 15 ans, vit au cœur de la Louisiane sauvage avec ses superstitions et ses légendes. Élevée par une grand-mère aux étranges pouvoirs, elle n'a jamais connu ses parents. Sa mère est morte en la mettant au monde et son père a disparu. Pourquoi, comment, autant de questions demeuraient sans réponse. Comme si un terrible secret pesait sur la famille Landry. Une atmosphère oppressante pour Ruby qui se réfugie dans la peinture. Le jour où elle rencontre Paul Tate, elle pense que le bonheur lui sourit enfin. Elle ignore que mensonges sordides et secrets inavouables tissent une toile implacable
autour d'elle. Alors, c'est pas que je sais pas lire, hein, c'est juste que en vrai, je dois porter des lunettes. Donc là, je le mets très très loin. Vous voyez, voilà, je le mets super loin pour arriver à lire. Mais là, avec tous les reflets et tout, je n'y arrive pas. Je m'excuse deux petites secondes, je reviens, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a des travaux dans, chez mes voisins qui font un bruit du diable. Je reviens tout de suite. Donc quand j'ai vu passer, ça me tentait énormément. Alors même si je n'ai toujours pas fini la saga Fleur Captive, puisque je n'ai lu que le tome 1 et que je me suis arrêtée en cours de route, j'ai bien l'intention de la poursuivre au moins un tome cette année. Et dans tous les cas, celle-là, j'ai prévu vraiment, je pense que très honnêtement, j'étais à deux doigts de l'attaquer tout de suite, mais ça s'est décidé entre deux livres. Je vais vous montrer celui que j'ai attaqué. Et, mais je pense la lire. Là, j'ai 2-3 livres à lire et après, je pense que je la lirai. Donc ça, c'était pour mes achats. Et mon dernier achat, c'est L'ombre d'Adeline, le tome 1 de H.D. Carlton, édité chez Ronsard, tout fraîchement traduit. Cette couverture, je ne sais pas si vous voyez bien avec les reflets, mais elle est absolument dingue. En plus, elle est tout en relief. Vraiment, j'adore. Donc là, on est, vous l'aurez compris, sur une dark romance. Donc c'est encore une fois ma curiosité, je dirais, un petit peu malsaine, qui m'a attirée. Donc je l'ai vu passer sur les réseaux. Et quand je suis allée en librairie, donc mardi, je crois que je suis allée en librairie, je l'ai vu et je me suis dit non, mais j'ai trop envie de le prendre. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai levé le blister parce qu'il faut savoir qu'il est vendu sous blister pour éviter, justement, parce qu'il est vraiment interdit au moins de 18 ans. Et quand je l'ai vu, quand je l'ai ouvert en fait, j'ai commencé à le regarder, à lire un chapitre. Et puis finalement, bah, je me suis dit, allez, je vais lire. J'ai pas beaucoup avancé au final, alors que je ne travaillais pas, puisque je suis à 65% à peu près. Il me reste encore 200 pages à lire, donc c'est énorme. Bon, c'est une belle brique, hein, il fait 600 pages. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez dense. Donc là, on est vraiment sur une dark romance, le consentement oublié. Je vous avoue qu'il y a deux scènes qui m'ont quand même légèrement perturbée. Voilà, donc je préviens d'avance, il y a une liste de trigger warning qui est longue comme le bras. Alors essentiellement, moi, ce que je retiendrai dans ces trigger warnings, parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais vous expliquer. En fait, le personnage masculin, donc qui est l'ombre, et elle, elle est la manipulatrice. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi ce surnom, parce que clairement, je la trouve pas du tout manipulatrice. Mais enfin bon, après, ça, je ne sais pas. L'ombre, en fait, il s'appelle Zayd. Oui, Zayd, c'est ça. Donc Zayd, en fait, c'est un agent. Enfin, c'est pas un agent, non, c'est... On va dire, c'est une personne qui œuvre pour démanteler tous les réseaux pédophiles, tous les réseaux de prostitution, tous les réseaux un petit peu comme ça, sordides. Et ce qui est super étonnant, parce que du coup, c'est pour moi quelqu'un de bien, puisqu'il va sauver des enfants, il va sauver des femmes de situations absolument abominables quand elles ont été prises dans des filets pas top. Et parallèlement, il traque Adeline, donc qui est la manipulatrice, donc le personnage féminin de ce livre. Donc, soit le personnage de Zayd est bipolaire, hein, voilà, j'en suis venue à cette conclusion-là, parce que je vous assure que franchement, il fait vraiment flipper. Et par rapport à tout ce qu'il fait à côté, je me dis, mais what? Pourquoi tu fais ça, mec? Pourquoi tu la traques comme ça? Parce que vraiment, il la traque, c'est vraiment, c'est un jeu du chat et de la souris, mais vraiment très pervers. Je veux dire, c'est quelqu'un qui arrive à s'introduire chez elle pendant que, sans qu'elle s'en aperçoive, qui l'observe pendant qu'elle dort. Ben, y a vraiment des trucs qui sont assez saisissants. Et voilà, arrivé à ce niveau-là, j'ai eu deux scènes explicites qui m'ont quand même légèrement perturbée. Ou comme je vous dis, la notion de consentement voilà, est quand même bien remise en doute. Voilà, alors j'aime beaucoup l'intrigue, c'est-à-dire qu'il y a donc l'intrigue de qui concerne Zayd par rapport à toutes ces enquêtes qu'il fait, à toutes les choses qu'il fait pour démanteler tous ces réseaux. Et il y a également une intrigue avec Adeline, le personnage féminin. Alors attention, il appelle la manipulatrice, bon moi je la trouve pas spécialement manipulatrice, mais par contre c'est quelqu'un qui a du tempérament. Mais c'est quelqu'un d'un petit peu borderline, c'est-à-dire qu'elle aime le danger, elle a le goût du risque. Voilà, c'est quelqu'un qui frise tout le temps un petit peu avec, qui flirte un petit peu tout le temps avec ses interdits, avec des choses pas, voilà. Elle est autrice et elle vient d'aménager dans la demeure de sa grand-mère qu'elle lui a léguée. Même si tout le monde lui a dit de ne pas le faire, notamment sa mère à elle, parce que dans cette demeure, il s'est passé des choses, notamment son arrière-grand-mère qui est décédée dans cette demeure. Je ne vous spoile pas grand-chose, on le sait dès le début.
Et Adeline, en fait, va trouver des carnets. Et ça, j'adore. Voilà, ce genre de petits détails dans un livre que j'aime trop. C'est-à-dire qu'on va lire. Voilà, on a des pages de carnet à la fin de chaque chapitre à peu près qui nous retrace l'histoire de son arrière-grand-mère. Donc, on va découvrir son histoire, tout ça. Et Adeline, qui est écrivaine, va se mettre un petit peu en quête de savoir ce qui s'est réellement passé, pourquoi sa grand-mère a été tuée, par qui elle a été tuée. Donc, elle lit ses carnets et parallèlement, elle enquête. Voilà, donc ça, c'est pour vous dévoiler un petit peu les deux intrigues qu'on a. Ensuite, on a... entre guillemets, la romance, pseudo-romance, parce que bon, c'est pas vraiment une romance pour moi, entre Adeline et Zayd, donc qui est une traque, mais vraiment une traque flippante. Enfin, moi, perso, ça me fait flipper. Voilà, alors je l'ai acheté parce que, voilà, j'avais envie de découvrir, j'ai envie de poursuivre un petit peu la découverte de la dark romance, alors j'en dirai pas tout le temps non plus, parce que c'est des lectures quand même un petit peu plombantes. Mais, voilà, là, j'avais envie, celui-ci me faisait envie, je me suis dit, bah, allez. On y va, go. Et je l'ai attaqué de suite parce que sinon il aurait fini au fin fond de ma palle, c'est sûr, parce que j'en ai envie sur l'instant. Voilà, c'est le genre de livre où je sais que j'en ai, comme Borderline, je l'ai acheté, je l'ai lu. Parce que j'en ai envie sur l'instant, mais je sais pas si dans 2 mois je serai toujours en ce mood là. Donc voilà, il me reste 200 pages, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Autant pour toutes les intrigues en fait, un petit peu entremêlées, donc c'est pas mal, on alterne en, les chapitres, donc entre l'ombre Zayd et la manipulatrice, donc Adeline. Adeline, pardon. Et voilà. Je peux pas vous dire que j'aime pas. Je peux pas vous dire que j'aime. C'est assez bizarre le sentiment que j'ai à la lecture de ce livre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très prenant. Alors même si j'ai pas avancé comme j'aurais voulu, ben, parce qu'hier j'étais fatiguée pour tout vous dire. Je sais pas pourquoi. Arrivé à mon 3e jour de congé, j'étais complètement épuisée. Et du coup, j'ai quasiment pas lu. Je crois qu'hier, j'ai dû lire 160 pages. Alors que dans ma tête, je m'étais dit hier matin... Tu peux le finir aujourd'hui. Mais non. Et puis, j'ai fait des choses dans le jardin. Enfin bon. Voilà. C'est aussi le problème quand je suis à la maison. C'est-à-dire que quand je rentre du travail, en général, j'ai pas l'énergie pour faire des choses. Donc, je lis. Alors que finalement, quand je suis en vacances, ben, j'ai l'énergie aussi pour faire d'autres choses. Comme du rangement ou certaines choses. Avancer certaines choses que j'ai pas le temps de faire en règle générale. Faire du jardin. Alors, en ce moment, voilà, moi, ça y est, il commence à faire beau. Voilà, je sais que l'année dernière, je vous avais filmé pas mal de choses dans le jardin de fleurs et de plantations que je fais. Je vous referai ça aussi cette année. Parce que voilà, c'est vraiment ma... Je pense que j'ai la lecture et le jardin, on va dire, en passion, vraiment. Sauf que malheureusement, le jardin, l'hiver, on ne peut pas. Mais à partir... voilà, nous, là, il fait très beau. Depuis une bonne semaine, il fait vraiment très, très beau. Et ça donne très envie d'aller... commencer à planter des fleurs. J'ai planté pas mal de choses ce week-end et hier bah, j'ai fait des petites retouches. Enfin, voilà. Bon, je vous raconte ma vie, mais bon, on est là pour ça aussi. Donc je vous en reparle très vite. J'espère vraiment arriver à le finir ce soir. Je suis pas sûre d'y arriver, mais voilà, c'est mon but en tout cas pour vous en reparler rapidement. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est le vendredi 22 mars. Hier soir, j'ai terminé L'ombre d'Adeline de H.D. Carleton aux éditions Roncière, sachant que c'est un tome 1. Donc comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une dark romance où il y a de nombreux trigger warnings. Donc je vous invite bien évidemment à en prendre connaissance avant de vous lancer dans cette lecture parce que certaines scènes peuvent être choquantes. Les relations ne sont pas vraiment conventionnelles. On est vraiment sur des relations qui ne sont pas vraiment normales, on va dire. Puisqu'il s'agit, alors là il s'agit d'un trope tyran, donc en fait le personnage féminin va être harcelé par le personnage masculin qui est lui amoureux d'elle mais qui a une manière de l'exprimer un petit peu particulière. Donc bien évidemment on est dans une fiction, on n'est pas, c'est pas comme ça que ça doit se passer dans la vraie vie, je tiens à le signaler. Voilà, clairement j'ai bien aimé cette lecture dans le sens où l'intrigue, et dingue, il y a un suspense de fou. Il y a un suspense vraiment de fou. Donc il y a plusieurs intrigues en fait qui s'entremêlent un petit peu dans ce livre. Donc déjà il y a une intrigue autour du manoir personne, donc où Adeline vit depuis qu'elle en a hérité de sa grand-mère décédée, puisque son arrière-grand-mère s'est faite assassiner dans ce manoir. Elle va retrouver des carnets, elle va retrouver plein de choses. Enfin bon, il y a toute une intrigue autour de ça. Et elle veut absolument lever le voile sur l'assassinat de son arrière-grand-mère, puisqu'on n'a jamais vraiment trouvé le coupable. Donc cette intrigue-là, j'ai beaucoup aimé. Ensuite,
il y a une intrigue par rapport à l'activité de Zayd, qui est un personnage très ambivalent, un personnage d'une complexité hallucinante, puisque il est d'un côté, il fait des choses vraiment bien, puisqu'il œuvre pour démanteler des réseaux de pédophilie, des réseaux de... C'est pour ça que je vous dis que les sujets sont quand même très très lourds. Hein. Il œuvre pour démanteler un petit peu le trafic d'enfants, le trafic d'humains en règle générale, le trafic de femmes. Et parallèlement, il se transforme en véritable tortionnaire avec, avec Adeline, en la persécutant, en la harcelant et en étant vraiment pas sympa avec elle. On va dire qu'il a une manière un petit peu particulière de lui montrer ses sentiments. Donc voilà. Après, je m'étendrai pas plus dessus. Comme je vous dis, voilà, moi j'ai apprécié cette lecture. J'assume apprécier ce genre de lecture. Parce que, ben, comme je vous dis, il y a une intrigue qui me fait penser à un thriller. Comme je l'ai déjà dit à l'époque où j'ai lu Borderline, j'ai eu à une époque lu beaucoup de contes interdits notamment, où c'est au final bien plus hard que ce qu'on peut y trouver ici. Alors même si là, évidemment, on essaie de rendre romantique une relation qui ne l'est pas, il faut le prendre, comme je dis, au second degré. Il faut se positionner et se dire que voilà, c'est de la fiction. Non, ça ne doit pas se passer comme ça dans la vie réelle. Les relations ne doivent pas... On ne doit pas être harcelé par la personne qui nous aime, en fait. C'est pas logique. Après, effectivement, le personnage féminin, c'est un petit peu complexe aussi, puisque on se rend compte qu'elle a un côté un petit peu... Ça joue un petit peu sur son adrénaline, et au final, elle aime bien ça. Alors, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse aimer ça, moi, personnellement. Mais après... Comme je dis, c'est au même titre que quand on lit par exemple un conte interdit, j'en ai lu des très 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 hard qui moi-même m'ont laissé comme ça en me disant mais d'ailleurs j'ai arrêté d'en lire, hein, je suis franche à un moment donné, j'en ai encore quelques-uns dans ma palle que j'ai pas découvert, mais j'ai plus envie à un moment donné d'aller sur ce terrain-là parce que j'avais la sensation que c'était du gore pour du gore, du gore pour du gore. Là on n'est pas sur du gore, on est juste sur des relations non conventionnelles, sur des relations. Oui, il y a de la violence, oui, la plume est un petit peu crue, mais bon, il faut le prendre, comme je vous dis, au premier degré. Donc, voilà. Donc, je vais arrêter là sur ce livre. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à venir me demander, il n'y a pas de souci, je vous répondrai volontiers. Et voilà. Donc, après, si vous avez envie de le lire, sachez à quoi vous vous exposez. C'est-à-dire qu'on est sur une histoire quand même. On est sur une histoire qui va nous pousser un petit peu dans nos retranchements et va nous montrer des choses pas très sympas. Mais pas que dans la relation entre les deux personnages. Il y a aussi l'intrigue à côté. Comme je vous ai dit, il démantèle des réseaux de pédophilie. Donc voilà, c'est pour vous situer un petit peu. Mais après, voilà, ça reste... Pour moi, ça s'apparente vraiment à du thriller. Pour moi, là, j'avais l'impression de lire un thriller avec une romance un peu non conventionnelle à l'intérieur. Donc voilà. Alors, ensuite, je vais commencer, enfin j'ai commencé vaguement, j'ai lu 30 pages, hein, donc c'est pas fou, j'ai lu un chapitre. Sanglante éternité d'Océane Ganen aux éditions Plume du Web. Alors, je précise que là aussi, il y a des trigger warnings. Violence, meurtre et description de meurtre, agression sexuelle, relations toxiques. Donc voilà, on est toujours dans le même... On va être un petit peu, donc je lis en lecture commune avec Aurélie du conte Mon Jardin Littéraire. Et je vous en reparle dès que j'ai plus avancé, parce que pour l'instant, je vais au pire vous lire la quatrième de couverture. Jusqu'à la folie, au-delà de la mort. Cette année, Gabriella Cruz se l'est juré. Elle arrête les bêtises et se concentre sur les études. Parce que si elle loupe encore une fois ses examens, son père lui coupera les vivres et elle devra rentrer au bercail. Plutôt mourir pour elle qui a toujours rêvé d'être criminologue. Et ce n'est pas Gabriella Del Vecchio, son meilleur ami et accessoirement l'homme idéal, qui mettra à mal ses bonnes résolutions. Beau, intelligent, parfait, à un détail près. C'est un véritable bourreau des cœurs. Gabriella sait très bien qu'elle doit arrêter de fantasmer sur lui, car il s'est montré très clair. Ils sont amis et amants, mais c'est tout. Pourtant, tout bascule lorsqu'une série de meurtres atroces et pervers frappe le campus. L'enquête la fascine, les secrets l'engloutissent, et en qui peut-elle avoir confiance? Au jeu du chat et de la souris, Gabriella prend des risques, quitte à y laisser son cœur et sa vie. Voilà, la couverture en tout cas est vraiment trop trop belle, je sais pas si vous la voyez bien, mais là j'aime trop ces fleurs là, comme ça je trouve que c'est super joli. Et après je sais pas ce que je lirai, donc voilà, j'ai pas mal de livres à lire, j'ai notamment le, que je vous ai pas encore montré, le Faubourg Marigny, apparaître le 4 ou le 3 avril je crois,
Donc il faut que je lise la semaine prochaine. Et également le tome 2 de Earth Player. Donc vous rappelez, Bucket List, dont je vous mettrai, mais je vous les montrerai la prochaine fois que je vous prends. Donc voilà, c'est à peu près mes lectures, ça sera à peu près mes lectures de la semaine. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est le lundi 25 mars. Donc voilà, mais je ne vous ai pas repris ce week-end. Parce que je vous avoue que voilà, le week-end, vraiment, je crois que j'y arriverai jamais. Voilà, je consacre mon temps à d'autres choses, m'occuper de ma maison, de mon jardin beaucoup en ce moment, puisque voilà, c'est le début du printemps et que bah, c'est le moment un petit peu de remettre le jardin en état, de planter un petit peu des fleurs pour la saison, enfin, voilà. Et puis de ma maison aussi, parce que voilà, les choses ne se font pas tout seul et c'est vrai que dès que j'ai du temps, après je consacre à la lecture. Donc il se trouve que ce week-end, alors j'ai pas terminé les deux, j'ai terminé celui-ci qui est Sanglante éternité d'Océane Ganem aux éditions Plume du Web, que j'ai lu en lecture commune avec Aurélie du compte Mon Jardin littéraire pour le challenge qu'elle organise avec Liseuse Hyper Fertile. Donc qui est un challenge ma palle en 36 leçons, je crois que vous en avez déjà parlé, où en fait on sélectionne 3 livres pour le mois, donc un livre qui est entre guillemets pas imposé, mais c'est un thème qui est imposé. Là c'était une couverture fleurie, c'est pour ça que Aurélie avait choisi celui-ci et je l'ai suivi. Ensuite il y a un livre que l'on fait choisir ou que l'on tire au sort dans sa palle, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs, je suis un petit peu à la bourre, et il y a un livre de notre palle qu'on met, donc moi je l'ai lu, c'était le tome 2 de Borderline. Donc, on est sur une romance suspense. Alors non, c'est pas une dark romance, je tiens à le préciser. C'est très sombre, l'histoire est assez sombre, les personnages sont assez complexes. Mais c'est pas du tout une dark romance. Donc en fait, on va suivre Gabriella, Gabriella, c'est une fille, et Gabrielle. Ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Leurs mamans sont les meilleures amies du monde. Et ils entretiennent une relation un petit peu bizarre, je sais pas si... Oui, bizarre. En fait, en gros, c'est friends to benefits. Donc, ils ont... en fait, ils sont sex friends l'un de l'autre. Mais là où le bas blesse, c'est que Gabrielle en attend plus, puisqu'elle est éperdument amoureuse de lui. Mais lui, il est un coureur de jupons. Et... il n'a pas forcément envie de se poser. Donc on est sur une relation quand même un petit peu toxique, puisqu'ils se font quand même pas mal de mal depuis l'adolescence, hein, depuis qu'ils ont commencé à avoir leur première relation. Et avec eux, il y a aussi une bande de potes, deux frères qui sont Adamo et Joachim. Donc tous les quatre se connaissent vraiment depuis l'enfance, ils ont grandi ensemble et ils sont aujourd'hui à l'université. Gabrielle est étudiante en criminologie. Donc voilà, c'est pour vous pitcher un petit peu l'histoire. Et un matin, elle est réveillée par des cris un peu bizarres. Et quand elle sort, en fait, Wendy, donc, qui était la petite amie de Joachim, donc un des deux frères avec qui ils sont amis, a été sauvagement assassinée en bas de l'immeuble où elle habite. Donc de là, ça ne sera pas la première victime. Donc il y a un serial killer qui sévit, on l'appelle le boucher de Boston, et Gabrielle en fait va se rapprocher de son professeur de criminologie pour avec qui elle est un petit peu en... pas en conflit, mais il y a quand même des choses un petit peu bizarres, pour augmenter sa moyenne, il va lui proposer en fait de participer un petit peu à l'enquête pour découvrir qui est le fameux boucher de Boston. Alors on dit boucher de Boston parce qu'effectivement il y a quand même des scènes un petit peu hard. Mais comme dans un thriller, je dirais, hein, c'est pas du tout... voilà, il y a des scènes un petit peu hard sur les découvertes de corps qui sont vraiment, vraiment très amochées. Alors, ce que j'ai aimé, c'est le suspense qu'il y a. C'est la complexité des rapports. C'est tous ces personnages un petit peu torturés, ces relations un petit peu toxiques et malsaines qui donnent vraiment du relief à l'histoire. Donc, j'ose plus trop vous parler en fait, vous dire que j'aime ça, parce que j'ai l'impression à chaque fois de passer pour une cinglée. Mais comme je dis tout le temps, pour moi une histoire toute plate, une romance toute plate finalement, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait forcément un truc, parce que sinon ça n'a
pas de sens en fait, ça a pas de relief, l'histoire est plate. Moi ce que j'aime c'est quand justement il y a des personnages un petit peu complexes et ici c'est le cas. La psychologie des personnages est super bien travaillée, les relations qu'ils ont entre eux et tout est tortueux. Donc j'ai adoré l'enquête, même si je vous le dis clairement, au bout de, je crois qu'au bout de 3 chapitres, j'avais découvert et je me suis pas trompée. Voilà, j'avais découvert qui était derrière le boucher de Boston et je m'étais pas trompée, mais malgré tout, Océane nous balade quand même, puisqu'il y a des moments où je me suis dit, mais peut-être pas alors finalement. Bon, enfin, voilà. Mais ça m'a quand même beaucoup plu, même si j'ai découvert, parce que justement, je cherchais des indices qui pouvaient corroborer avec ce que je pensais. Donc ça, c'était juste, voilà, c'était trop bien. Et c'est très, très addictif, puisqu'il fait quand même 500 pages pratiquement. Et franchement, je l'ai lu très rapidement. Je l'ai lu entre vendredi après-midi et samedi... samedi après-midi, soirée, on va dire. Enfin, pas toute l'après-midi, parce que j'ai fait beaucoup de choses dehors samedi, donc j'ai pas énormément lu. Mais voilà, en gros, j'ai lu la moitié vendredi, l'autre moitié samedi. Donc, ça s'est lu quand même très, très vite. La couverture est trop, trop belle. Ça, vraiment, je trouve qu'elle est magnifique. Et vraiment, j'ai passé un très bon moment. C'est ce que je classerais, donc du coup je la classerais dans les romances suspense, un petit peu au même titre que par exemple Un automne pour te pardonner. On est un petit peu dans ce même genre, bon c'est pas vraiment, c'est pas la même chose, mais on est un peu dans cette ambiance un petit peu malaisante, un petit peu pesante. Donc voilà, si vous avez envie d'une petite romance avec du suspense, avec une enquête, parce que là il y a une vraie enquête, ça fait très police judiciaire de New York à un moment donné. Et voilà, non franchement j'ai passé un très très bon moment. Sinon, hier, j'ai attaqué Les livres disparus de la 5e avenue de Fiona Davis, à paraître aux éditions Faubourg Marigny le 3 avril. Alors, ils se sont trompés derrière sur les... Ce qu'il y avait marqué... Alors, il y avait marqué 12 avril, là, derrière. Mais en fait, non, c'est le 3 avril. J'ai vérifié la semaine dernière sur Amazon. Et voilà, c'est le 3 avril. Donc, là, on va être... Alors, je l'ai vraiment dévoré, celui-là. Puisque je l'ai commencé hier en début d'après-midi et j'avais beaucoup de mal à le lâcher. Si j'avais pas dû aller me coucher, je pense que parce que je travaillais aujourd'hui, je pense que j'aurais terminé. J'ai vraiment hâte de rentrer ce soir du travail pour me replonger dedans parce que vraiment, il est chouette. Alors, on est sur un roman historique, on est sur une double temporalité. Alors, on a une partie qui se déroule en 1913 et une partie qui se déroule en 1993. Le point commun, c'est la bibliothèque publique de New York, en fait, de la 5e avenue, comme c'est écrit là. Donc, c'est une bibliothèque qui regorge d'ouvrages anciens, d'ouvrages qui sont vraiment classifiés, ils sont dans des coffres, enfin, ils sont bien, bien à l'abri. Et mystérieusement, il y a des livres qui disparaissent. Donc, Laura, en 1913... habite la bibliothèque, en fait. Dans la bibliothèque, il y a un appartement où elle vit avec son mari et ses enfants, puisqu'il est, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas si c'est régisseur ou... En gros, il est là pour surveiller un petit peu ce qui se passe dans la bibliothèque. Je sais pas exactement comment on appelle ça. J'essaierai de me renseigner parce que c'est vrai que je... Voilà. Et parallèlement, donc en 1993, on va suivre Sadie et... Sadie, en fait, elle travaille dans cette bibliothèque. Elle est un petit peu conservatrice puisqu'elle est bibliothécaire, mais elle fait aussi des expositions pour regrouper un petit peu des pièces de collection, justement, par rapport aux œuvres qui sont conservées et aussi des objets ayant appartenu parfois aux auteurs. Donc voilà, donc on va les suivre. Et dans les deux époques, il y a des livres qui disparaissent. Et on ne sait pas qui fait disparaître ces livres. Donc Laura, qui vit dans la période passée, donc en 1913, c'est une jeune femme qui a pour vocation de s'émanciper. Donc elle est certes mariée, maman de 2 enfants, mais elle veut reprendre ses études, elle veut devenir journaliste. Donc elle va se battre un petit peu pour tout ça et elle commence à participer un petit peu à des organisations
de ligue un petit peu féministe où on se bat pour le droit du vote, on se bat pour un petit peu l'émancipation des femmes, pour qu'elles aient elles aussi le droit de faire ce qu'elles veulent quand elles veulent. Donc il y a toute cette partie-là, et Sadji a un caractère beaucoup plus réservé. Donc elle a divorcé, elle vit un petit peu en mode repliée sur elle-même, je dirais quand même. Sadji, elle m'intrigue beaucoup parce qu'elle est très... on sent qu'elle est vraiment sur la réserve, on sent qu'elle a beaucoup de failles en elle. C'est voilà, c'est un personnage qui est très réservé par rapport à Laura, par exemple. C'est vraiment deux personnages totalement différents. Et on va découvrir qu'il y a un lien entre ces deux personnages, forcément, mais je ne vous dirai pas lequel. Et voilà. Donc pour l'instant, il me reste 130 pages, donc je vais arriver bien évidemment au dénouement. Et j'ai trop hâte, j'espère que je vais le finir ce soir. Et comme ça, je pourrai vous en reparler demain. Donc dans tous les cas, il sort le 3 avril et franchement, il est plutôt, plutôt cool. Donc sur ce, je vais vous laisser et je vous dis bien évidemment à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 26 mars. Je vous reprends parce que hier soir, j'ai donc terminé Les livres disparus de la 5e avenue de Fiona Davis, à paraître aux éditions Faubourg Marigny le 3 avril. Donc il me semble que le 3 avril, ça sera mercredi prochain. Alors clairement, j'ai adoré cette lecture. J'ai passé un super moment. Vous savez, les romans à double temporalité, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça rythme énormément la lecture. En plus, ici, c'est assez bien réparti. Voilà, il n'y a pas... Alors, on n'alterne pas forcément entre un chapitre dans le passé et un chapitre dans le présent, mais je trouve que c'est dosé avec justesse. J'aime pas quand il y a trop sur le passé ou trop sur le présent. J'aime bien quand c'est... quand c'est assez équilibré entre les deux parties. En plus, là, il faut savoir que j'ai aimé les deux parties et j'ai adoré les deux héroïnes. Que ce soit Laura dans les années 1910 ou que ce soit Sadji dans les années 90. J'ai adoré leur évolution. C'est un roman qui a une grande, force féministe puisque ce sont deux femmes qui, à 80 ans d'intervalle, se battent un petit peu pour les mêmes valeurs, c'est-à-dire le droit un petit peu des femmes à disposer de leur vie, à travailler si elles ont envie de travailler, à être célibataires ou à avoir d'autres relations, enfin à faire un petit peu ce qu'elles veulent, et ça j'ai beaucoup aimé. Donc en plus l'intrigue autour des livres qui disparaissent mystérieusement dans cette bibliothèque de la 5e avenue, donc qui est la bibliothèque publique de New York de la 5e avenue, oui, enfin bon, c'était peut-être pas la peine de vous le préciser. Mais voilà, j'ai adoré l'intrigue autour de ces livres, l'intrigue familiale, tous les secrets, toutes ces choses qu'on va découvrir. J'ai été terriblement émue par la fin. Vraiment, j'étais très émue sur le dernier, sur les derniers chapitres. Et je voulais aussi préciser que la plume de l'auteur est divine. Vraiment, c'est d'une fluidité. Bon, après, je sais que ça a été traduit, donc la traduction a été bien faite, je pense. Mais voilà, la plume est très fluide, c'est hyper addictif. On tourne les pages sans s'en rendre compte. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu très vite au final, puisque je l'ai commencé dimanche. J'ai lu donc dimanche après-midi. Et hier soir, il me restait, je crois, 130 pages que j'ai lues en rentrant du travail. J'étais pressée de connaître la fin. Surtout que voilà, dans les 100 dernières pages, on a vraiment le dénouement autour de toutes les intrigues, puisqu'il y a quand même plusieurs intrigues. Même si elles sont toutes plus ou moins entremêlées, il y a quand même plusieurs intrigues et j'avais hâte de les découvrir. Donc, encore une fois, bah écoutez, voilà, bah c'est une réussite pour ce beau petit bébé, puisqu'il fait quand même presque 500 pages, qui va sortir le 3 avril. Clairement, je vous le recommande si vous aimez les romans historiques à double temporalité, si vous avez envie de savoir un petit peu tous les secrets d'une bibliothèque, puisque là, on est clairement immergé à fond dans la bibliothèque, donc allez-y, vraiment je peux que vous le recommander, et surtout si vous avez envie de découvrir ces deux héroïnes, donc Laura et Sadji, deux héroïnes vraiment fortes qui se battent pour leurs idées, pour leurs valeurs, et j'ai adoré l'évolution de Sadji au fil des pages. J'ai eu la sensation qu'elle prenait un petit peu son envol, et pareil pour Laura quelque part, puisque voilà, Laura va quand même se battre pour pouvoir reprendre ses études, pour pouvoir travailler, pour, et dans les années 1910, c'était pas forcément très
très très bien vu. Donc voilà, je vous recommande ce livre et je vous le trouverez en librairie bien évidemment à partir du 3 avril. Alors sinon derrière, j'ai attaqué le dernier livre que je dois lire pour le challenge Mappal en 36 leçons. Donc vous en avez parlé déjà puisque j'ai lu un livre ce week-end par rapport à ce challenge. Donc il me reste à lire Airbit, Air Player, le tome 2 de Alice des Merveilles. Donc en fait c'est la saga où j'avais adoré le tome 1 qui s'appelle The Bucket List, que j'ai d'ailleurs en version collector et que j'avais lu juste avant Noël. Alors je ne sais pas si le tome 2 sortira ou pas en version collector, mais une chose est sûre, c'est que j'avais pas envie d'attendre et c'est vrai que pour le coup je l'ai acheté, tant pis. Et s'il sort en version collector et que je l'ai vraiment aimé, il y a de fortes chances pour que je le prenne aussi. Donc ce livre, c'était le livre que je devais faire choisir et il a été choisi par Mélanie du compte Mélou Tourne les Pages, que vous pouvez retrouver sur Instagram et aussi sur YouTube. Et donc voilà, donc je le découvre, je vais vous lire tout de suite la quatrième de couverture. Ashley court après les mecs, court après l'amour, court après son père. Mais la vérité, c'est qu'elle ne cesse jamais d'être déçue par les hommes. Elle collectionne les plans cul sans attache et les coups d'un soir qu'elle finit toujours par regretter. Cette fois, ça en est trop pour son petit ami, pour son petit cœur malmené. Les hommes, c'est terminé. Mais difficile de fuir ses mauvaises habitudes lorsque le joueur le plus sexy des Giants lui tourne autour pour des raisons qu'elle ne parvient pas à saisir. Au football, comme dans ses activités illégales, Dead Cresson ne joue que pour gagner. Il gérait plutôt bien sur les deux fronts, jusqu'à ce que ses erreurs le rattrapent. Il échappe alors de peu à la suspension grâce à un accord particulier passé avec son coach qui s'avère plus mesquin qu'il n'en a l'air. L'objectif, faire chavirer le cœur d'Ashley. Même s'il sait que rester loin d'elle comme il en a l'habitude depuis toujours est la plus sage des décisions. Même si toute cette histoire ne peut que mal finir. Quand Ted veut quelque chose, il l'obtient à n'importe quel prix. Non, j'ai pas lu énormément. Hein. J'ai lu 8 chapitres, donc ce qui fait à peu près 110 pages. Donc c'est pas fou, c'est vraiment de la mise en place. Donc on assiste effectivement à ce deal entre le coach et Ted, donc qui va devoir séduire. Ashley. J'avoue qu'Ashley, c'est un personnage quand même très complexe, très torturé, qu'on avait déjà rencontré dans le tome 1. Et voilà, c'est un personnage... on sent qu'elle a beaucoup de souffrance en elle, on sent qu'il y a plein de choses qui déraillent. Et pareil pour Ted, au final. Donc j'ai hâte vraiment d'en découvrir plus. Pour l'instant, comme je vous dis, voilà, j'ai pas lu grand-chose. Ça doit représenter à peu près 20% du livre, puisqu'il fait quand même 487 pages. Donc c'est quand même... petite bricasse. Donc voilà, je vous en reparle bien évidemment très très vite, j'espère en ce vlog, mais je ne vous garantis rien parce que je ne sais pas si je le terminerai avant jeudi que je clôture ce vlog et que je fasse sans montage. Sinon, j'ai pas eu de réception particulière, j'attends les livres d'Addictive du mois d'avril que je devrais pas tarder à recevoir. Il y en a un, j'ai vraiment trop trop hâte parce que normalement je devrais recevoir... je devrais recevoir la box dessus et c'est un Emma Green et ça franchement j'adore Emma Green, vous le savez. Donc j'ai vraiment trop trop hâte de le recevoir. Mais voilà, pour l'instant je n'ai pas eu encore. En plus la poste est toujours assez capricieuse chez moi. Un peu comme le temps d'ailleurs aujourd'hui parce que j'ai allumé toutes les lumières pour vous faire croire qu'il fait jour parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il fait noir dehors. Voilà, donc bah, écoutez, pour aujourd'hui ça sera tout et je vous dis bien évidemment à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 27 mars, donc c'est le soir, comme vous pouvez voir, il fait nuit. C'est pour ça que la luminosité est pas géniale. J'ai essayé d'éclairer un petit peu toutes les lumières, mais ça fait pas une luminosité top. Mais voilà, je viens de terminer en fait à l'instant Airbit, donc qui est le tome 2 de la saga Air Player d'Alice des Merveilles. Donc il y a un tome 3 qui est prévu sur un autre couple de personnages. Alors attendez, juste je recadre un peu parce que j'ai l'impression que vous... Voilà, ce serait peut-être un peu mieux comme ça. Je ne sais plus comment mettre avec avec cette nuit. Je crois que ce n'était pas une super idée de vous filmer ça maintenant, mais bon. Voilà, c'est pas grave. Donc il me semble que je vous avais lu la quatrième de couverture. Donc, dans ce tome, on va retrouver Ashley. Ashley qui est la fille du coach de l'équipe de football qu'on rencontre déjà dans le tome 1. Et on va suivre également Ted qui fait partie de cette équipe de foot.
Il se trouve que Ted a frisé un petit peu avec l'illégalité puisqu'il risque d'être positif au contrôle antidopage. Et le coach accepte de le couvrir en fait, mais si lui, en contrepartie, accepte entre guillemets de... Alors, je sais plus si c'est séduire sa fille ou si... Alors, c'est pas vrai. Oui, en fait, il accepte de faire quelque chose par rapport à Ashley. Je veux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, en fait. Hein. C'est juste pour ça. Et puis, c'est le soir, je suis fatiguée. C'est la fin de journée, je m'excuse. Donc, il va accepter, en fait, un deal avec le coach. Mais c'est peut-être pas la meilleure idée qu'il a eue. Donc, pour sauver sa peau, il va accepter ça. Sauf que ben, ça va pas forcément super bien tourner. Parce que, ben, à un moment donné... À force de s'enferrer dans les mensonges et les manipulations, ben, on finit par un petit peu se brûler les ailes. Alors, en toute honnêteté, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce tome par rapport au premier que j'avais adoré, qui était quasiment un coup de cœur. Le premier, donc, qui était The Bucket List avec Lily et Maëlle. Donc là, j'ai adoré qu'on retrouve par contre tout le monde, puisqu'on retrouve tous les personnages en fait, donc notamment Lily, puisqu'elle est désormais la colocataire d'Ashley. On retrouve aussi Maëlle, Max, enfin tous ceux qui font partie de l'équipe de football. Donc ça, c'était plutôt cool de tous les retrouver. Par contre, alors c'est pas du tout la même ambiance, c'est-à-dire que là, alors autant le tome 1, The Bucket List, était une romance très lumineuse. Autant là, on va être sur quelque chose de très sombre. D'ailleurs, je vous m'en garde. Alors, je ne sais pas s'il y a au départ des trigger warnings, mais moi, pour ma part, j'en aurais mis. Voilà, oui, c'est quand même écrit. Liste des trigger warnings, agression sexuelle, scène de sexe, automutilation, évocation de substances illicites et d'addiction. Voilà, donc je tiens quand même à vous mettre en garde sur ça. C'est que ça aborde des thématiques très, très lourdes. On est vraiment sur des personnages ultra torturés, que ce soit un ou l'autre. Voilà, Ashley, on le savait qu'elle était torturée puisqu'on la connaissait dans le tome précédent, et on va découvrir un Ted aussi fracassé en fait qu'elle. Donc quand deux âmes perdues se lancent dans, on va dire, des choses un petit peu particulières, ben forcément ça donne un résultat assez tumultueux. Donc j'avoue que j'ai été un petit peu surprise par ce côté sombre, même si je m'en doutais, ayant écouté notamment le vlog de Sybille du compte Sunset Avenue qu'il a lu récemment et qui l'avait dit. Mais là, j'avoue que j'étais quand même assez surprise. Je ne m'attendais pas à autant. Et c'est vrai que toutes ces thématiques sont quand même très, très fortes. On va se rendre compte que Lily, elle a vécu des choses... Lily, n'importe quoi. Que Ashley a quand même vécu des choses pas très cool. Qu'elle s'automutile, elle se scarifie. Enfin, je veux dire, elle est aussi, voilà, ils se noient tous un petit peu dans l'alcool et dans les drogues. Et voilà, donc c'est quand même assez, voilà, c'est quand même assez lourd. C'est pas à mettre entre toutes les mains. Et je pense que j'étais pas forcément dans le bon mood ayant enchaîné. Au final, en une semaine, je n'ai enchaîné que des choses sombres quasiment, à part le Faubourg Marigny qui était super génial. Mais sinon, j'ai enchaîné beaucoup de romances sombres. Donc c'est vrai que... Je pense que là, c'était peut-être celle de trop qu'il va falloir que je retrouve un petit peu la boîte et la lumière. Parce que même si j'aime ce genre de choses, parce que comme je le dis à chaque fois, ce sont des... On a une visiteuse, vous la voyez pas, mais elle s'est installée là. Ça va Lola? Hein? Je peux pas bouger la caméra parce que j'ai mis 100 ans à la régler. Mais voilà, c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça soit autant sombre. Voilà, là les personnages effectivement ils sont vraiment très très torturés. Lola, ils sont très 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 torturés, on sent qu'il y a des fêlures de partout et je sais pas si finalement deux cœurs cabossés arrivent à s'auto-réparer entre eux en fait, je sais pas du tout. Donc voilà, on va sur cette histoire, je vais pas trop vous en dire parce que je risque vite de vous spoiler un petit peu l'intrigue qui n'est pas du tout dévoilé en fait dans la quatrième de couverture. Donc voilà. Apparemment, il y a un tome 3 qui est prévu. Bon, ça je le sais puisque je suis allée voir. Donc le tome 3 sera sur un des personnages qui s'appelle Max. Et là, je pense que ça va être assez costaud aussi parce que Max, je pense que c'est vraiment le plus...
le plus bizarre de toute la bande. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc c'est pas que j'ai pas aimé, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est juste, je pense que c'était un problème de timing et que si je l'avais lu peut-être il y a un mois, j'aurais adoré, peut-être dans un mois je l'aurais adoré, mais que là j'avoue j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans et un peu de mal en fait à me mettre dans ce mood de personnage complètement cabossé ou voilà. Après niveau romance entre eux, j'ai bien aimé la romance entre eux, elle est assez sympa. On est vraiment sur quelque chose d'assez en dents de scie puisque on est sur deux personnages qui finalement ne se posent pas. Donc Ashley se perd dans des relations sans intérêt, enfin même pas des relations, dans des coups d'un soir on va dire. Et Ted pareil quoi, je veux dire. Donc c'est vrai que c'est assez tumultueux. Les tensions, je les ai moins ressenties par exemple que dans le premier tome entre Lily et Maëlle où c'était vraiment très électrique, où on sentait là... J'ai moins ressenti ça, alors peut-être comme je vous dis, voilà, j'étais pas dans le bon mood, mais voilà, je suis contente de l'avoir lu, et peut-être je me relancerai dedans un jour, hein, parce que j'ai tellement aimé le premier tome que j'avoue que ça me frustre un petit peu là, je me sens un petit peu frustrée, mais bon, ça arrive, c'est comme ça. Donc vous l'aurez compris, je vous reprends maintenant parce que je vais clôturer ce vlog, on est mercredi, il faut encore que je le monte, donc voilà, donc au moins comme ça, il est clôturé. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez trouvé des bonnes petites idées de lecture. Et encore une fois, ben, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter. Ça me fait toujours ultra plaisir de répondre à vos commentaires. J'essaye toujours de prendre le temps, même si vous n'avez pas envie de faire un long discours. Un petit cœur, une petite étoile, un petit ce que vous voulez, ça suffit, ça me fait plaisir. Je sais que vous allez regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, ben, je vous laisse et je vous dis bien évidemment à la semaine prochaine.